ferraille. Un beau jour, grand bonhomme, marchand de coco, criait d'une voix de basse-taille à tous les badauds qui avaient chaud. À la glace, à la fraîche, à la douce, à la bonne qui veut boire. Venez enfants, petits et grands, de moi vous serez tous contents. J'ai décidé de me former au BAFA parce que je voulais travailler en centre aéré, parce que c'est dans mon village et je suis assez proche des enfants quand même dans mon village. J'avais déjà fait du bénévolat et je voulais passer le BAFA pour vraiment être le moniteur et l'animateur là-bas. Parce que j'aime la relation avec les enfants, j'aime leur apprendre des nouvelles choses, voir leur sourire. Pour justement avoir plus un job d'été, parce que moi je vois l'animation plus comme un job d'été. Parce que moi je compte plus tard essayer de rester dans le social, parce que pour moi en fait j'ai pas envie de travailler seul ou quoi, en fait j'ai toujours eu envie de travailler avec des gens, c'est quelque chose qui me donne envie en fait. Donc juste le fait, déjà le BAFA pour être avec les enfants et tout, c'est quelque chose qui m'a plu particulièrement. Puis en plus avec l'expérience des stages cet été, c'était encore mieux. Donc je sais que je vais rester là-dedans, c'est déjà bien. Alors le stage d'approfondissement, c'est la troisième partie de la formation BAFA. Après avoir effectué une session de base et puis de 8 jours, puis un stage pratique de 14 jours, les stagiaires doivent effectuer un approfondissement de 6 jours, voire parfois une qualification de 8 jours. Ces stages d'approfondissement ont une thématique. Et nous, aujourd'hui, on est sur un approfondissement animation en accueil de loisirs. Ici, j'apprends, on apprend en rigolant tout ça, donc ça passe mieux. On apprend en s'amusant. C'est le seul mot, on apprend en s'amusant. Tout est compréhensible, c'est quand on visualise bien la chose, c'est des trucs logiques. Que nous, on pensait pas que ce soit comme ça. Puis avec un peu plus de réflexion, on y arrive. En fait, c'est sectionné en plusieurs parties. Donc on a vraiment de la théorie, de la pratique. Et après, on en parle, on fait un bilan et on voit aussi l'avis des autres. Donc c'est constructif. On va se servir des expériences vécues pour justement approfondir les connaissances, peut-être clarifier les zones d'ombre et approfondir les acquis de ces deux premiers stages de formation. Ça ne veut pas dire qu'on n'apporte pas de nouvelles choses, bien au contraire. On va aller plus loin sur les techniques de chant, on peut aller plus loin sur les techniques de jeu et on se donne surtout un objectif, puisque c'est la dernière session de formation, c'est de s'assurer que les stagiaires soient maintenant réellement prêts. Ce que j'ai beaucoup appris, c'est que moi, en fait, je faisais beaucoup de jeux sportifs, de grands jeux, et je pratiquais pas beaucoup d'activités manuelles, de chant, mais là, j'en ai appris pas mal que je remette en place cet été. C'était des jeux d'astuces, ou même des chants, et c'est important, même avec les enfants, par exemple, moi, je suis plus à l'aise pour animer quand il fait beau dehors, jouer avec eux, tout ça, mais il faut aussi penser quand il pleut, faire des jeux d'astuces ou des chants, ça dépend les moments, quand ils sont fatigués, tout ça. Vraiment prévoir pas que quand ils ont de l'énergie, mais à tous les moments de la journée. Souvent en stage, on part sur des choses basiques, alors que là, que ce soit des chants ou alors des petits jeux, des jeux d'attente, plein de choses comme ça que je connaissais pas auparavant. Ce vieil adage qui dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Eh ben on pratique pour apprendre. Et bien sûr, après chaque temps de pratique, on a toujours un temps d'analyse. On leur propose de se voir à mi-stage, de faire plusieurs points durant la session de formation pour mettre en avant les parfois les manques, mais aussi parfois les atouts. Et en aucun cas, on sera sur un examen final. C'est plutôt une démarche d'évaluation qui reste constante tout le long du stage. Ce qui a changé chez moi, je pense, durant cette formation, c'est ma manière d'être qui va être avec les enfants. Du coup, maintenant, je vais plus être encore plus à l'écoute qu'avant. Un peu plus quand même de comprendre les enfants. Par exemple, avec les travaux de groupe qu'on fait, on partage tous nos expériences et ça m'a permis de voir comment maintenant je pourrais agir selon la situation et avant j'aurais agi différemment. Ouais, je vois une évolution du fait que je vais me diversifier dans ce que je vais proposer aux enfants, que ça sera pas toujours la même chose et c'est du nouveau. Être beaucoup plus à l'aise et être un peu plus professionnel aussi, surtout à ma base où j'étais encore entre guillemets un enfant, où est-ce que j'étais pas encore dans le but d'animer. J'étais surtout à la base, c'était s'amuser, où est-ce qu'ils nous présentaient des jeux et tout. Nous, on n'était pas encore dans l'optique d'en présenter. Mais du coup, juste là, à la fin de la formation, je sais que je suis prêt à présenter des jeux et des choses comme ça auxquelles j'aurais pas été vraiment très très prêt à le faire avant. À plus me livrer
et bah, ne pas hésiter et à oser dire et à oser faire. Au CMEA, on pense que l'environnement joue un rôle prépondérant dans l'évolution de l'être humain. On souhaite inculquer aux stagiaires le fait de s'appuyer sur les ressources qu'on peut avoir dans le milieu, qu'on soit en ville, qu'on soit en pleine nature ou comme ici en bord de mer. Donc forcément, ça influe sur le stage puisqu'on a proposé de l'activité en lien avec cet environnement. Et par exemple, le mardi après-midi qui était prévu sur du jeu plutôt d'intérieur, on est tous allés à la plage pour essayer des cerfs-volants, pour essayer des fusées à eau, pour jouer sur la plage. Donc bien sûr que l'environnement local influe sur nos choix pédagogiques. Je pense que je me sens prêt pour le monde de l'animation, notamment grâce aux travaux de groupe. Ouais, largement. Carrément. Bah, ça m'a amené tout ce qui est outils pour être avec les enfants, que ce soit au niveau législation, niveau idées, par exemple pour les chants, les jeux, tout ça. C'est vraiment un plus, même la base, c'est fondamental et ouais, là je suis prêt. Je suis prêt à animer. Ce que je dirais à quelqu'un qui hésite en formation, c'est de surtout pas hésiter en fait, c'est de se lancer car le monde de l'animation, pardon, c'est vraiment quelque chose de très bien et on apprend beaucoup de choses. Même pour un futur métier, ça aide forcément. Alors, si quelqu'un hésite à rentrer dans cette formation, bah, je dirais d'y aller parce que c'est super et puis bah, que ça en vaut la peine. Bah, qu'il fonce, quoi. Après, s'il a des bonnes relations avec les enfants, qu'il aime bien être en contact avec eux, bah, qu'il n'hésite pas à le faire, quoi. Puis tout se passera bien, je pense. Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, donc... Tout dépend de son point de vue à lui, en fait, ça dépend si vraiment il compte animer plus tard ou même, par exemple, pour vaincre sa timidité. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Au début, c'était surtout pour partir dans le social, mais même être moins timide parce que c'est dur quand même au quotidien. Donc, s'il y a quelqu'un qui hésite vraiment, faut y aller. En vrai, ça coûte rien, quoi. Enfin, c'est une expérience à prendre. Ah bah, faut pas hésiter, faut venir. Hein. Le meilleur moyen, c'est de tester de toute façon.